Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat que j'ai fait ces derniers temps. Déjà, je tiens à m'excuser parce que ça fait quelques temps là que je suis pas venue sur YouTube. En gros, le temps passe si vite, on a tellement de choses à faire, le sujet n'est pas là. Et on va partager des petites choses ensemble. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, parce que j'ai pris, en fait, je vais le faire en deux fois. Je pense que ça va être comme ça, ce sera mieux deux parties, parce que sinon c'est une galère. Quand c'est trop long, je trouve que c'est un peu galère, et quand c'est trop petit, je me dis, oh, c'est pas assez, moi, du moins quand je regarde des vidéos des personnes que j'aime bien. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'arrêter de parler, parce que quand je commence, je ne m'arrête pas. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est la Fnac, Micromania et Action. J'ai été chez Action et j'ai trouvé des petites bêtises. J'avais été chez Action pour un truc spécial. Ah, vous allez rigoler, mon mari d'ailleurs qui est là, s'il vient et qui dit des bêtises, il faudra pas faire attention parce qu'il aime bien taquiner quand je fais des vidéos ou quoi que ce soit. Il est MDR, il aime bien dire n'importe quoi exprès pour que, hop, me déstabiliser, mais on va essayer de s'en sortir. Donc du coup, tout ça pour vous dire que justement, en parlant de mon mari, il voulait des gobelets. Enfin, mon mari veut des gobelets à la maison. Oui, parfois il aime bien les gobelets, il aime bien les gobelets. Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Donc j'ai dit à mon mari, bah tu sais quoi, va voir que j'aille chez Action. Tout ça pour vous dire ça. Et ben au final, j'ai pas trouvé de gobelet chez Action. Ils étaient en rupture de stock. Donc du coup, ben j'ai pris d'autres bêtises. Là, je commence par la Fnac. Alors moi, je vous les avais déjà présentées. Alors je sais plus si c'est sur YouTube ou Instagram. D'ailleurs, je vous mettrai mon Instagram en bas. Hein. C'est Kika tiré du 6 diverses. Quand je suis pas sur YouTube, je suis là-bas. Peut-être pas tout le temps, parce que c'est vrai que je ne montre pas forcément tout, etc., etc. Surtout quand je suis absente comme ça. Mais bon, dès que je peux être là, avec un grand plaisir, on y va. Donc là, je vous montre ça. C'est super. En fait, il les considère comme des pop. Vous voyez dessus, il y a marqué pop. En fait, c'est pop qui a fait ça. Comme ça. Voilà. Et du coup, moi, j'ai toute la collection. C'est-à-dire que j'ai les quatre. Il ne me manquait plus que Eve. Et du coup, Eve, je l'ai. Donc, il les compte comme des pop. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous allez à la Fnac, vous prenez deux produits achetés et un offert. Au niveau des pop, eh ben ça, ça revient au même. Vous en prenez trois, vous en payez deux et vous en avez un gratuit. Et franchement, je tiens à vous faire partager parce que moi, je trouve ça super cool pour les âmes de collectionneurs, pour les gens qui aiment tout simplement ces petites choses-là, etc., etc. Franchement, je trouve ça top. Donc là, je vais vous l'ouvrir. Je vais vous montrer comment c'est. Et arrêtez. Et à mes filles, mon mari, ça va être un délire cette histoire, je vous le dis. Donc regardez-moi ça, une fois qu'on l'ouvre, ça vaut 12 euros et quelques, donc on va dire 13 euros. Et ben franchement, ouais, mais c'est pas grave ça. Regardez, c'est comme ça et c'est super joli. Donc là, c'est Eve et c'est sous forme. Alors, comme je vous ai dit, le compte comme pop, hein, c'est pas une pop, c'est un pins. Voilà. Et c'est super beau, franchement, c'est très joli. Derrière, regardez. C'est trop beau. On voit clairement hein, que c'est un pins, sauf que, regardez-moi ça, vous voyez ça là, c'est top, on peut le faire tenir comme ça et ça tient par exemple sur un bureau ou quoi que ce soit, pour les personnes qui ne veulent pas le laisser là-dedans, vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement c'est magnifique, c'est super beau. Donc voilà, l'explication a été faite, maintenant je vais vous montrer les autres que j'ai achetés. J'ai pris du Harry Potter, donc 12,99€ hein, comme je vous ai dit, et n'oubliez pas, deux achetés et un offert, moi je trouve pas ça négligeable. Bon, il est comme ça. Derrière, ceux qui sont à collectionner sont là. Donc, il y a Harry Potter, il y a Hermione, j'aime trop. Il y a Albus Dumbledore. Et il y a Ronald, donc Wesley. Tu ne passes pas par là, s'il te plaît, mon cœur, merci. Donc, là, c'est la numéro 1. Donc, c'est Harry Potter. Alors, là, pour les fans, par contre, c'est super. Pour les gens qui sont vraiment dingue, je trouve ça bien. Donc, regardez, je vous montre là-dedans. Il est comme ça. Vous voyez comment c'est joli? Trop beau. Donc là, j'ai pris lui. J'ai pris qui encore maintenant? Là, ça va être Dumbledore. Donc à chaque fois, j'ouvre avec vous. Hein. Et je vous le montre pour que vous voyez mieux. Donc là, je le sors de la boîte. Hop. C'est le Père Noël. Le Père Noël. Toi, tu crois que c'est le Père Noël, lui? Oui. Et regardez. Voilà. On peut l'enlever. Hein. Mais vous avez compris. Hein. Je vous ai bien montré. Donc, hop. J'ai pris qui? J'ai pris Ron, en fait j'ai pris toute la collection, donc on passe un petit moment ensemble hein, vu qu'on ne le passe pas tous les jours. Hein.
vu que le temps passe si vite, vous dites-moi ce que vous achetez ces derniers temps, sur quoi vous kiffez, etc., etc. Alors moi, j'ai toujours pas changé. Je suis toujours un peu de tout, voilà, un peu l'acheteuse un petit peu compulsive que je suis. C'est vrai que je suis dingue de tout achat, donc voilà, j'ai pas changé, moi, les livres, moi, ceci, moi, cela, voilà, vous avez compris. Donc, avec mes enfants, on va dire qu'on s'amuse du mieux que l'on peut. Voilà, après, je vous montre qui, alors elle, je l'aime trop. Alors, elle n'est pas présentée à l'arrière. Donc, en fait, je vais vous la montrer au milieu. Il y a mon mari qui est là et qui est morte de rire et qui appelle sa fille. Il rigole. Alors, je vais vous expliquer. Normalement, dans la collection Harry Potter, il y en a 4. Ils sont partis avec leur père, elles m'ont toutes lâché. Il y en a 4 ici, vous voyez, il y en a 4 à collectionner. Sauf que là, Edwige, elle n'y est pas derrière. Donc, alors, je sais pas. Soit elle la compte comme une exclue, soit je sais pas. Et même que, alors attendez, même au niveau du... Comment vous dites ça? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Elle est magnifique. Donc celle-ci... Ah ouais, ça va être un délire. Hein. Les autres, elles sont brillantes. Un pince, brillant. Là, par contre, vu que c'est une chouette, ben regardez, elle a, on va dire, le pelage. Là, ici, vous voyez, c'est du duvet, quoi. C'est du velours. Elle est faite en velours. Et je trouve ça super. Franchement, je trouve ça au top, top, top. Tu veux me dire quoi, ma chérie? Je tenais à dire aussi, maman, que je suis à la chouette. Après. Je tenais à dire qu'il y a des gens, en fait, qui confondent entre des chouettes et des hiboux. Parce que c'est pas, en fait... Il y a une différence entre le chouette et les hiboux, mais moi je préfère pas aller dans cette différence là parce que je confonds à chaque fois, je m'emmène les pinceaux. Donc en fait, peu importe, oui. Ensemble en fait, deux. Les chouettes et les hiboux. Hermione. Ouais, ils se ressemblent. Ouais. Mais je sais qu'il y a une différence, je sais plus c'est quoi qui les différencie. Je crois que c'est le hop là, les espèces d'oreilles ou des choses comme ça. Non, non, ça par contre je rigole pas, tu l'enlèves pas mon cœur. Non, non, mon cœur, non, maman, tu ne fais pas ça. Regardez. Hermione. Et voilà. Alors, on continue avec la FNAC. Alors, par contre, moi, je sais qu'à la FNAC, ce qui est bien, c'est que j'ai un avantage aussi de... Bah, quand je fais mes achats... Non, mon cœur, là, c'est le mon bébé. Quand je fais mes achats, j'ai un 5% dessus. Donc, je trouve ça, encore une fois, pas négligeable. Parce que, par exemple, 100 euros, ils vont me dire 95 balles. Par exemple, hein, je vous invente. Donc, approximatif. Et je trouve ça vraiment top. Moi, perso, j'aime beaucoup. Donc, hop, regardez, les amis, ce que j'ai trouvé. Mais quand je vous dis, je suis tombée dessus, comment vous dire, j'étais en kiff, mais en kiff. Voilà les filles de quoi je vous parlais. Je l'ai payé une 20aine d'euros. Non, même pas, 39,99€. En fait, à l'intérieur, on aura ben, les vilains, quoi. Les... Alors, vous, si vous aimez pas, hein, chacun aime ce qu'il aime. Hein. Moi, c'est vrai que je suis pas femme des... Alors, je vous explique. Vous allez dire, elle est chelou celle-là. Mais chacun est comme il est. En fait, je vous explique, les amis. En fait, c'est que... comment vous dire? Je suis pas fan des films d'horreur, d'accord? Et le truc, c'est que vu que je suis pas fan des films d'horreur, c'est vrai qu'on va dire, mais qui sait pourquoi tu prends ça? Et ben, il y a certains films d'horreur qui sont pas si films d'horreur... C'est-à-dire que moi, je suis pas fan des films d'horreur du style, entre guillemets, la machine en argile, mais tout ce qui est Shaitan, tout ce qui est Diable et compagnie, ça, je déteste. Donc ça c'est un truc qui me... Ouh, je peux pas. Comme par contre un film d'horreur où c'est une goutte de sang ou quoi que ce soit, bon ça je m'en fiche. Ouais, ça par contre c'est pas... Voilà. Donc du coup voilà pourquoi j'ai fait cet achat là, parce que ben, ça concerne pas forcément des choses dont je viens de vous donner l'explication. Donc voilà, et je trouve ça... Franchement je trouve ça top. Top, 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 top. Ouais. Freddy, l'autre là, ça. Ah, c'est le fun con qui fait ça. Alors, il y en a 13 figurines à l'intérieur. De quoi? Il y a Massacre à la tronçonneuse, je crois. Il y aura peut-être plus, je sais plus, mais MDR, quoi. Allez, on arrête de s'extasier sur ça, c'est n'importe quoi. Alors là, les amis, on en est où? On en est à un livre que je vais vous présenter. Oui. Franchement, je viens de découvrir. Je viens de découvrir. Alors là, vous devez me voir en gros plan. Youpi tralala, j'ai envie de dire. Je joue mes cantines au piano. 17,90€ le livre. Mais... c'est top parce que l'enfant en fait il a montré direct, déjà on enlève le carton là, qui sert à rien, et j'ai fait un de ces bordels derrière, heureusement que ça se range. Alors, allons jouer, bon là, ça va pas le faire parce que je suis faux des piles, mais en gros par exemple, elle va jouer 1, 2, 3, nous irons au bois, et ça va s'allumer, et elle saura où elle doit appuyer, et en fait elle va faire la chanson elle-même en appuyant, en suivant les couleurs. Et je trouve ça vraiment très, très bien. Et là, après, il y a des histoires. Hein. Là, par exemple, c'est « Promenons-nous dans les bois ».
Ben voilà, il est là, promenons-nous dans les bois, etc., etc. Alors, certes, ça vaut quand même 18 balles, mais sincèrement, pour un beau livre comme ça... Moi, je kiffe, voilà. Exactement. Tout simplement, j'aime énormément. J'ai rien à dire d'autre, encore une fois. Alors, les apéros cartes, ça, je l'ai pris à 4,90€, c'est pas pour moi. Alors ça, c'est quelque chose qui ne sera pas pour moi, mais les personnes concernées l'auront en temps voulu. Donc, c'est bien parce qu'il est pété de rire, mais c'est... en plus, il mange un sandwich avec des frites. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange des... deux burgers et... Ah, et... Non, parce que je vous explique, j'ai un mari qui dit que des bêtises exprès. Je vous disais ça à la personne concernée, j'essaie de retrouver un peu mes esprits de style la fille sérieuse, même si on n'est pas sérieux du tout chez nous. Donc ça, la personne concernée l'aura au moment voulu. C'est quelque chose de spécial foot. Donc en fait, c'est grand joueur, équipe célèbre, match inoubliable, etc. Ça doit être des questions, etc., auxquelles il faut répondre. On a 80 cartes et un livret avec les réponses. Plus de 250 questions pour jouer. Oui, oui, là, là. T'as grave la UH qu'elle est en train de te manger. T'as la haine de cette fille de 250. Ah, tu fous grave la UH. Oh là, il fout grave la haine. Il fait ça. Viens faire devant la caméra. Viens, je t'ouvre. Et je coupe pas. Il assume pas. Ah là, je kiffe de dingue. Je kiffe lui faire ça. À chaque fois, je lui fais très peu. Hein. Très peu de fois, ça a été. Je me vidéo quand mon mari il est là. En général, je le fais pas parce que lui et moi, on part vite en vrille, en rigolant. Mais après, lui, quand je lui dis, bah vas-y, attends, je monte. Il a la chouma, il devient tout rouge, quoi. Allez, on continue. Donc, ce que j'ai pris. Regardez, il dit non. Je tente, je jure que je tente, je vais pas couper. Il veut pas. Alors, ici, j'ai pris des rêves de trop. Il veut pas. Mon mari veut pas se montrer. Il veut pas. Il y a rien à faire. Un jour, je vais pas. Il veut pas. Donc ici, j'ai pris des rêves de trop trop pour ma fille. Il fait que des bêtises, je vous jure. C'est. Oulala, plus le temps passe, hein, et plus c'est une catastrophe. Alors les rêves de trop trop, c'est trop mignon. Alors celui-là, franchement, il m'a coûté cher, 25€, mais il est vraiment très très joli. Là, Sahab, c'est la fille qui revient au naturel, vous voyez. Et du coup, regardez. Les rêves donc de trop trop. Bénédicte, elle a assuré un guettier. Gallimard, Jeunesse, Giboulé. Ici, il nous dit joyeux anniversaire trop trop. Oh lolo. Alors, je vais l'ouvrir. Et regardez-moi ça. Ça donne rien, mon bébé. T'as à côté de Papouni. Regardez. Vous voyez, papa. Ça donne ça. En fait, c'est un livre. Attends, mon cœur. C'est un livre qui s'anime, tout simplement. Hein. Regardez comme c'est joli pour les enfants. Alors, en fait, c'est ça hein, qui coûte le prix. Hein. C'est, plus ils font des petites bêtises comme ça, et plus le prix monte. Hein. Mais pour les enfants, c'est mignon. Franchement, la maman qui essaie de retrouver son sérieux après des bêtises avec son mari. Voilà, regardez. Vous voyez comment c'est beau? Vous voyez? Ah non, mais tu fous grave la UH, là. Arrête, voilà. Non, mais... Eh, nous, on est comme ça. Il n'y a pas de pitié sur la chaîne. Hein. Vous savez comment je suis comme je suis. Et il fout la UH parce que franchement, il fait du bruit comme ça. Il fout grave l'air. Du coup, il est trop fort. Donc voilà. Trop, regardez-moi ça. C'est trop joli. Donc si ça vous intéresse, franchement, j'ai essayé la Fnac. Alors, il y a marqué livre pop-up. Vous savez que il fout la UH, je vous jure. Il fout trop la... Il est mort de rire. On fait ça qu'il fait plus de 30 surprises. Bravo, trop. Voilà. Et hop, pour ça. Là, maintenant, on va passer... Ah, Wallah, tu fous la... Vas-y. Bref, alors là, on passe chez Micromania. Non, pas... Il me perturbe à côté, c'est des trucs, je vous assure, il fout grave de la UH. Alors, j'ai pris... C'est la première fois Non, parce que vous savez pas comment il est. Mais je vous jure, si je vous le montre, vous allez rigoler. Attendez. Attends, maman, je vais vous montrer... Tu fous grave de la UH, c'est mortel. Alors... Voilà, Harry Potter, donc il y a 24 mini-pop, hein, entre guillemets, à l'intérieur, ça y sauve, ah non, il sauve pas. J'allais dire, on est tranquille les filles et tout, non, mais va dans la guille. Donc 24 mini-pop comme ça, Harry Potter, oh là, tu fous la huile. Il est en train de me, ah, t'as pas fait, t'as un gros porc, vas-y, barre-toi, dégueulasse. Il mange et il en a, oh, je vomis, il a plein de viande et il vient comme ça, là. Ah, t'es
dégueulasse, sale bande. Bref, regardez. Ah oui, là, c'est la vidéo du délire. Ah ouais, là, ça va être... Là, la vidéo, là, ça... Vous allez être choqués, je sais. Bref, alors... Voilà, Harry Potter, 60 balles, mais bien. Franchement, pour les fans d'Harry Potter, bah voilà. Moi, j'aime trop... comment il s'appelle Hagrid. Je demande à papa parce que je m'en souviens plus. Comment il s'appelle, lui, le costaud, là? Comment il s'appelle, là? Ah, vous direz en commentaire, au pire, si je ne l'ai pas trouvé. Bah voilà. Hop. Et j'ai pris... Micromania, de quoi ils font? De acheter un offert ou alors de acheter moins 50% pardon, sur Micromania. Plus encore, j'ai la carte, donc j'ai des avantages tout le temps, 10, 20 euros en moins, etc. Donc c'est pas mal ça, vous voyez ce que je veux dire? Pour la femme que je suis, même pour appeler ses enfants, subhanallah, il appelle ses enfants, il fait... Même parler ne soit parlé. Il sait juste jouer à dire on dit des bêtises et voilà. Du coup, là c'est la... Ah ouais, c'est la vidéo de... du péché là. Là, c'est là. Nous, on est comme ça, on rigole beaucoup et vous vous y habituerez un jour ou l'autre. Je vous ai dit. Je... Donc, du coup, 448 la pop. C'est. Comment il s'appelle? Oh mince, la pop, c'est. Par toi. C'est Monsieur Jack, non? Les tranches de Noël, c'est ça, les tranches de Noël de Monsieur Jack. Donc là, il est magnifique. Elle vient d'arriver, celle-là. Elle vient d'arriver. Et franchement, super jolie. Vraiment. Mais regardez derrière. Et on a la même en donc je vais essayer de vous la montrer. Elle a la vidéo, elle est partie en vrille totale. Là, vous avez vu la Kika qui est complètement hop avec son Rima quoi. Alors attendez. Non, mais on est comme ça, on joue nous. Moi, je m'en cache pas, j'ai pas honte. Donc hop, on rigole. Donc j'ai aucune honte. Alors. Après, c'est pas tout le monde qui rigole comme ça, mais nous, on rigole de beaucoup de choses. Donc voilà, regardez comment il est. Il est pas trop joli. Elle est magnifique, elle est belle, hein? Ouais, franchement, trop beau, regardez. Ça, hop là, la tête qui tourne et tout. Ah, moi, j'ai kiffé, franchement, trop bien. Donc, hop, donc à l'époque, vous avez compris, hein, c'est 15 balles. Après, tout dépend de la grandeur de la pop, etc. Ouais, mais vous m'avez compris. Et regardez qui j'ai trouvé. Regardez. Exactement, alors il y a des années de ça. Harry, il y a combien d'années quand... Wow, il y a plus de... Ouais, ça fait plus de 16 ans qu'on est ensemble. Ça fait peut-être 10, 11, 12 ans, 12 ans, 12, 12 13 ans, regardez les Simpsons. Je sais plus. Tabarakallah, hein, grâce à Dieu, alhamdoulilah. Quand j'ai vu ça, c'était vraiment un kiff parce que c'est... Ça nous rappelle les moments où on a suivi ces... toutes ces bêtises de... des Simpsons, en fait. Donc là, c'est Alien Mag... En fait, c'est... Elle s'appelle comment, Harry? Maggie? La petite là, la toute petite là, la petite peu, c'est Maggie. Ah non, c'est ça? Hein? Non, ouais, c'est écrit dessus, ça peut être Maggie ou Maggie ou j'en sais rien, je sais plus. Maggie. Il me dit c'est écrit dessus, ça va, t'es tombé ou que c'est écrit dessus. Bah non, mais moi je vois Maggie, mais vous voyez ce que je veux dire? Je sais plus si c'est Maggie ou Maggie, mais je crois que c'est Maggie. Donc voilà. Alors du coup, là, 823, je vais vous la montrer, c'est mieux. J'étais trop contente, vraiment, je me suis rappelée de moi et mon mari quand on regardait quoi, c'était... l'époque des Simpsons. Bon, alors aujourd'hui, on n'est plus du tout l'époque des Simpsons. On est passé à d'autres séries, on est passé à d'autres choses. Mais voilà, regardez. Elle est pas trop belle. Mais c'est trop mignon, regardez-moi ça. Elle en alien. Et voilà. Après. Et puis la poussée, la pique. Une autre qui est arrivée aussi. Alors ça, c'est un autre délire. Ouais, c'est un autre délire. Ça, c'est Hello Kitty. Donc, c'est la numéro 43. Oh là là, tu parles sur papa, chérie. Elle va tomber en arrière. Il est avec son téléphone et ma fille lui pose dessus. Bien sûr, oui, mon bébé, il manquerait plus de ça qu'elle tombe en arrière. Alors, non, parce qu'on rigole, mais des choses avec quoi on rigole pas, n'est-ce pas? Vous me comprenez, les enfants. Alors, du coup, hop, c'est Hello Kitty. Et Hello Kitty l'ont fait sous forme de... Apparemment, c'est d'un feuilleton, pas d'un feuilleton d'une série ou je ne sais quoi. Et ça donne ça derrière, vous voyez. À l'arrière, il y a les. Hop, toutes les figurines possibles. Ça. Oui, mon cœur, ça y est, mon bébé. Ça y est. Attention, tu l'as fait tomber. Amdek, tu l'as fait tomber. Belle. Alors, je vous ouvre. On passe un moment ce soir de folie ensemble comme jamais. Vous m'avez vu, on va dire entre guillemets, comme ça. Mais réellement, on est foufou comme ça. Alors. Oui, chérie, attends, tu veux la montrer? Regardez.
Vas-y, montre-la un petit peu comme ça. Vas-y. Regardez comment elle est belle. Donc, en fait, c'est Hello Kitty, mais c'est une série, en fait. Hein. C'est une série, en fait, et ça a donné ça. Donc, voilà. Mon mari qui joue avec son bébé, mon aime des bisous. Donc, voilà. Elle est bien. Ce que j'aurais aimé, c'est... Alors, attendez, je vais vous la dire. Hello Kitty Land, en rose, la bleue. Mais elles n'y étaient pas, là. Les deux premières du haut, là, elles n'y étaient pas. Donc il y avait celle-là, il y en avait une autre, mais l'autre je ne l'ai pas aimée, bizarrement en dragon, je sais pas quoi. Et nous on achète ce qu'on aime, on n'achète pas pour acheter, on achète vraiment le plaisir de ce qu'on aime et pas un achat de vêtements en fait. Donc voilà. Bah oui, non, il faut acheter surtout les pop quoi, surtout qu'on fait des collections. Alors si dans les pop on achète comme ça alors qu'on n'aime pas, non, je trouve ça stupide moi perso. Après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi perso je trouve ça stupide. Mon mari qui joue avec ma fille, c'est trop mignon. Je trouve ça toujours beau de voir un papa jouer avec ses enfants. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais... Alors, ici les filles, on en a où? Regardez Kika. Alors c'est Sangrillon. Ma fille elle a dit que c'est Sangrillon, d'accord? C'est Sangrillon, elle a dit. Je vous explique. Sangrillon. Là, je vous montre. Oui, Sangrillon, l'amour de ma vie. Donc là, c'est Sangrillon. Elle est magnifique, donc ça elle est en, je vais vous l'ouvrir, ça à partir de 15 ans, 15 ans et plus, donc voilà. Alors il y a plusieurs versions dans chaque chose en fait, là il y a Cendrillon comme ça, faites attention les amours, je veux pas qu'on vous voie cher. Donc là c'est la maman, elle est sérieuse. Donc là il y a Cendrillon, moi c'est celle-ci que j'ai prise, et il y a une Cendrillon pâle, vous savez, avec des couleurs qui ne sont pas la vraie entre guillemets Cendrillon, ils l'ont remixé. Papa fait rire son bébé, elle va hurler, vous allez rien comprendre. Donc hop. Je suis pas avec 4 gosses dans cette maison, je suis avec 5 gosses. Je vous explique pas le délire. Dites-moi les filles si vous aussi, je vous en supplie là, mais parce que moi c'est jusqu'ici. Hein. Donc du coup, attendez, parce que là j'ai pas de quoi ouvrir. Alors, va me chercher un ciseau, quelque chose, un couteau, quelque chose. J'ai hâte de vous la montrer parce qu'elle est belle. Elle est super jolie. Il y en a une où elle est avec des chaussures, regardez là. Mais elle est pâle. Attends mon cœur. Il y a de la joie, hein. Ouais, c'est comme ça tout le temps. Quand t'as le daron, c'est comme ça tout le temps. Alors, hop. Je vous l'ouvre tranquillou. Je me lève, vous allez voir. Pardon. Donc, au final, je vais essayer d'ouvrir sans... Alors. Je vous explique. Voilà, ça sort du carton. Et de là, il faut jouer à construire. D'accord? Donc voilà. C'est la construire. Non. C'est pas le jeu. Il faut bien le faire. Attendez. Il faut que vous voyez à quel point je suis tordue. Non, c'est ça qui est top, les filles. Arrête, chérie. C'est non, non. Donc, alors regardez, elle a ses petits talons, etc. Elle a son socle. Donc on la pose, j'y viens dans un missile des filles, je vous dis même pas. Donc en gros, regardez, je la mets sur son sol. Si Kika y arrive, hein, parce qu'il y a des choses que je sais faire et il y a d'autres choses que je sais moins faire. Donc en fait, regardez, vous allez comprendre ce qui est dans là, sa tête complètement destroy. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je la mets. Hop, et je sais pas si elle va tenir. Eh ben oui. Alors attendez, hein. Bah ouais, parce qu'il faut la mettre bien. Et moi, quand je touche quelque chose, recule s'il te plaît. Quand je touche quelque chose, j'ai deux fois tendance à péter les choses. Voilà, bon. On va se contenter de ça pour l'instant. Et ça donne ça. Elle est vraiment très jolie. Donc là, son socle. Regardez sa tête de plus près. Hop, sa robe. Elle est vraiment magnifique, quoi. Elle est vraiment très, très jolie. Hein. Vous voyez? Ah, c'est un kiff. Un kiff, un kiff, un kiff, un kiff. Hop là! Et voilà! Et c'est super joli. Alors, c'est du... Je sais plus comment ils appellent ça. Parce que quand on les achète chez Disney, j'en ai un. C'est de la résine, ça se pète, c'est-à-dire elle s'éclate. Mais celle-là, elle peut se péter, mais pas vraiment se péter. Je sais pas comment vous expliquer. Elle est lourde quand même, donc ça va. 26 balles. Donc, j'ai envie de dire, à 26 balles, il y a intérêt que ce soit du top quand même. Donc un minimum quoi, j'ai envie de dire, parce que bon, rien n'est parfait dans la vie. Donc voilà. Et le dernier... Elle est belle, hein? Et le dernier truc, alors ça par contre c'est pour moi. Ça je vais pas vous cacher que c'est Kika.
parce que, comment vous dire, un kiff, mais un kiff. C'est pas les émotions. Alors, tout ce que je vous montre, c'est mes enfants, moi, mes enfants, on aime la même chose. Donc, c'est ce qui est top, justement. C'est quand on a nos enfants et nous-mêmes qui aimons la même chose. Quoi. C'est quelque chose qui font que c'est top. Mais ça, je vais pas vous mentir que c'est moi qui l'ai pris. Donc ça, je vais vous expliquer, je l'ai payé 60 balles. Tu l'as kiffé. Oui, mais le truc, c'est que c'est magnifique. C'est quelque chose qui vient de sortir. Et en fait, c'est d'une déco incroyable. Alors, Kika va arrêter de vous parler. Et elle va vous montrer ça. Donc là, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Hop. Donc là, d'ici comme ça, vous verrez rien. Je pense pas que vous verrez quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est... Oui, mon amour, oh là là, chérie. Alors, attendez. Hop. Allez, ciseaux, c'est la magie au père. Il y a mon bébé qui parle derrière, vous voyez. Entre moi, mon mari, mes enfants, c'est... On s'éclate. Voilà. Oui, mon bébé d'amour. Oui, d'accord. Vous voyez, c'est mignon. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime, maman. C'est mes bébés, ça. Les bébés à leur mère, ça. Toute ma vie, ces gosses. Toute ma vie. Donc, regardez, les amis. Regardez-moi ça. Donc là, rien qu'à voir, toi, les bébés. Donc là, je l'ouvre. D'accord. Et je vais essayer de ça. Comment vous dire, de ne pas l'éclater, parce que sinon je vais pleurer, très clairement. Oui, je vais pleurer pour ce petit truc là, oui. Oui, oui. Ah, je t'aime, mes bébés, vous êtes trop belles. Donc, maman. Et voilà. Pa. Vous avez comment c'est beau? Regardez-moi ça. Donc, pour ceux qui connaissent l'étrange Noël de Monsieur Jack, en plus, on est super bien tombé parce que c'est la période Halloween. Qui dit Halloween dit citrouille. Donc, ah, elle est magnifique. Non, mon cœur. Après, je te la... Par contre, je te la passe après, mais tu fais attention. Attends, c'est pas trop joli. Oui, maman. Non, mais regardez-moi ça. Regardez ici, là, les détails. Au top, hein, franchement. Waouh, c'est juste magnifique. Ah ouais, non, c'est trop, trop beau. Je vous l'approche bien. Très bien. Elle est vraiment sublime. Donc ici, les... Attends, chérie, sinon je te la passe pas. Deux petites secondes. Ici, on a un petit chat, je crois. Ici, on a le... Comme par hasard, quand il faut vous le dire, je loupe toujours les mots. Regardez la maison, les détails, les citrouilles ici. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est joli. Mais... Ah, elle est trop belle. Ah ouais, je suis en extase dessus. Ouais, de ouf. Ah ouais, de ouf. Clairement de ouf. C'est trop joli, franchement. C'est dingue, hein. Trop bien. En fait, elle a du caractère. En fait, je trouve que c'est une... Ouais, c'est une figurine, entre guillemets. J'appelle ça comme ça, hein. Une statue, quoi, un truc de déco, mais qui a du caractère, parce qu'il y avait comment je vais vous expliquer, il y avait Anna, il y avait la Reine des Neiges, donc Anna, et il y avait l'autre là, sa soeur, comment s'appelle elle, Elsa. Là, pour l'instant, elles m'ont pas inspiré grand chose. C'est elle, quand je l'ai vue, franchement, j'ai eu un coup de cœur. Mais quand je veux dire un coup de cœur, vous savez, quand on a un coup de cœur, on se dit oh là 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 là, c'est trop joli. Ben voilà, j'ai eu un coup de cœur, tout simplement. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Point. On va s'arrêter là doucement, chérie. Alors, cette vidéo, c'était n'importe quoi, je le reconnais. Donc, regardez à action, je suis partie comme je vous avais dit en début de vidéo, quand je vous ai parlé, là, la fille qui raconte sa petite life. Hein. En fait, c'est comme si je faisais un vlog, sauf qu'en fait, moi, je fais une vidéo tout court. Et ce n'est pas un vlog. Donc, en gros, j'ai pris ça parce que je suis partie pour, comme je vous disais, pour mon mari, pour des gobelets. Sauf que je n'ai pas trouvé de gobelet, ils m'ont dit rupture de stock. Je dis ok, vous êtes bien mignon, ok. Bah du coup, Kika qui fait son tour et elle trouve des bêtises, quoi. Mais c'est des bêtises pas chères, donc c'est pas grave. Ça, c'est 1 euro quelque chose, je crois. C'est ça ? 1,69€. Il est super joli. Il y avait d'autres couleurs, mais c'est celui-là que j'ai bien aimé. J'ai trouvé trop sympa, donc voilà. Donc j'ai pris le petit sapin comme ça, histoire de... Regardez, il est trop beau. Oui, il est trop beau, arrête, chérie. J'ai pris ça, le village, il a combien, chérie ? Le village, je sais pas si je peux l'ouvrir. Parce qu'en fait, je vais le mettre en face. Arrête, s'il te plaît, chérie. Je vais le mettre en face. Je compte le poser sur, vous savez, là, en dessous ma télé. J'ai ma télé sur le mur. En dessous, j'ai une... Étagère. Ouais, une étagère, on va dire ça comme ça. J'aimerais bien le poser dessus, en fait. Donc, hop, regardez-moi ça.
faire des paillettes. Ah, je vais en avoir plein partout, regardez. C'est le trône du petit Papa Noël. Avec les petits rennes qui va apporter des cadeaux aux enfants par milliers, etc., etc. Vous connaissez la chanson, regardez. Tananan, tananan. Il est beau. Ah, le sapin, il était à 1,89€. 1,89€ le sapin. Et lui, combien? Ah non, 1,99€. 1,99€ celui-là. Ouais, 2 balles, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas cher du tout. Donc, j'ai pris ça aussi à 1,39€. Les allumes-gaz. Mais là, c'est, vous voyez, des scènes de Noël, en fait, hein, tout simplement. Et c'est super mignon. J'ai pris, là, on passe du coq à l'âne. J'ai pris 3 comme ça. Pour mes enfants, donc une eau de parfum Blanche-Neige, donc Disney comme ça, Blanche-Neige. Attends, mon cœur, je vais te donner une autre qui est Cendrillon et une autre qui est Blanche-Neige. Et elles sont super jolies. Regardez à l'arrière, et ça vaut rien du tout. Je crois que c'est dans les 2 euros. La belle et la bête. Ouais, la belle et la bête. C'est les gamponniers. C'est 1,49€. 1,49€, franchement, ça vaut bien. À l'unité. Il y a... Oui, bah oui, l'unité. Il y a 20 ml à l'intérieur et franchement, je trouve ça super sympa. Pour le prix, j'ai trouvé ça. Alors, elles ont leur parfum hein, qu'on achète à Sephora et tout. Mais là, franchement, ça, j'ai trouvé ça trop mimi, quoi. C'est... Sérieusement, les filles, regardez. C'est trop mignon. Oh, moi, j'ai vu le bleu, c'est ouais, c'est du Disney, en fait. C'est ça, en fait, que j'ai kiffé. Oui, mon amour, oui. Je suis très excitée, dis donc, mon cœur. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, elle, c'est... Ah, maintenant, c'est autre chose. Donc, ça, c'est... Ça sent la banane. Christmas décoration, donc white, lights. C'est diamètre de 6 cm. Donc, regardez, à l'intérieur, c'est une boule. Et à l'intérieur, en fait, j'ai pris un sapin. Il y en avait d'autres, alhamdoulilah, excusez-moi. Il y en avait d'autres, des comme ça. Je vais vous dire, c'était style un peu avec des anges, tout ça à l'intérieur. Il y avait d'autres. Là, c'était un sapin, d'autres, par exemple, ça va être un ange, d'autres, ça va être ceci, cela. Moi, j'ai pris avec le sapin. J'ai pas pris les autres. Voilà, hein, tout simplement, chacun ses goûts, encore une fois. Et aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut dans la life. Donc, j'ai envie de dire que, regardez, moi, j'ai trouvé ça super mimi, j'ai super bien aimé. Et ce qui est top, c'est qu'il s'allume. Mais comment vous le montrez? Moi, je prends lui. Moi, je prends les Anna. Hey, je vais combattre. Voilà, je l'ai enlevé. Je sais... Ah, voilà. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, il change de couleur, mais je ne sais pas si vous allez voir. Maman, regarde, c'est Mimi sur moi. Il va changer de couleur, en fait. Maman, il était bleu. C'est bien, mon amour. Regardez, là, ça change, en fait. Et c'est super mignon. Regardez, il change de couleur. Et c'est super mignon. Et c'est super pas cher, ça. Je crois que j'ai payé 80 centimes, ou même pas 1 euro, ou quelque chose. C'est grave pas cher. Bah, vous savez, Action, j'ai envie de dire. Celui qui me dit c'est cher, c'est qu'à mon avis, il a été un petit coup parti par là, à mon avis. Alors, après, j'ai trouvé ça pour mes enfants. J'ai payé ça 5 balles, et franchement, ça vaut le coup. Parce qu'à l'unité, 12 pour 5 balles, j'ai envie de dire que... C'est super pas cher parce qu'à l'unité, elles sont faciles à quasi 1 euro normalement. Donc, il y a 12 cases. C'est le calendrier de l'avant des boules effervescentes. Et franchement, ouais, c'est super. Parce que moi, j'ai pensé direct à mes enfants. Je l'ai pris parce qu'elles kiffent. Elles s'éclatent dans l'eau, etc., dans le bain, etc. Et j'ai trouvé ça bien. Parce que quand on les prend chez Lush, au magasin Carrefour et toutes les compagnies, là, toutes les enseignes, j'ai envie de dire que wouh, ils sont plaisir. Donc, non, franchement, là, ça fait plaisir de prendre quelque chose... avec un prix raisonnable. Sauf que là, ils nous disent pas 60 grammes, 50 grammes, 45 grammes. La boule. Et c'est des boules qui peuvent être aussi décorées. Donc, c'est bien. Franchement, c'est bien. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Elles verront, hein, tout simplement. Et donc, voilà. Bon, bah, écoutez, on en a fini pour cette vidéo. Je vais faire la deuxième partie juste après. Quand elle vous sera postée, franchement, je ne sais pas du tout. On verra bien. Et puis, de toute façon, c'est le suspense. Hein, vous qui, entre guillemets, qui m'attendez. Moi, je vous fais de très, très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et encore une fois, j'ai ma fille qui est en body derrière avec son papa. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Elle est en body. Qu'est-ce qu'elle fait en body? Je ne sais guère. Je ne sais pas. Elle est en pantalon et en body. Oui, elle est en pantalon et en body. Mais ils l'ont enlevé le haut. Je ne sais pas pourquoi. Une de mes filles. Bref. Je vous fais de gros bisous, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pris ces derniers temps, vos achats, etc. Ou alors de me parler sur mon Insta comme vous aimez faire habituellement, parce qu'on parle beaucoup aussi sur Insta. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, je vous remets ça en barre d'infos et à très vite. Allez, salut tout le monde. Bye bye.